Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vidéo spéciale YouTube sur Balatro avec la mise d'or, le niveau de difficulté max et le joueur d'amier, 28 cartes de pique et de cœur. C'est clairement le deck que je préfère pour le moment. J'adore jouer les couleurs, donc ça tombe bien. Ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Donc pour rappel, vous avez tous les niveaux de difficulté ici. La petite blade, donc la mise rouge et petite blade, donc 3 pas de récompense d'argent. Donc là on le voit, si je bats la petite blade, j'ai pas de thune. Donc en général, on aime bien la passer si le bonus est intéressant. Il faut faire plus de points. Les magasins possèdent des jokers éternels, ça veut dire qu'il y a certains jokers que vous pouvez pas revendre ou détruire, ça peut être pénible. Moisson à la défausse, les scores requis augmentent plus rapidement pour chaque mise initiale. Les paquets boosters coûtent 1$ de plus par mise initiale. Et moisson à la taille de la main, beaucoup de malus. On va skip la petite blade, on aura plus de tuna après, c'est rentable. On peut double skip en vrai. Ouh, parce que là j'arriverai quand même pas à gagner les 15$. Alors oui, je passe à un shop, mais j'aurai 30$ après ça. Ça me paraît fine. Toutes les cartes pick voient leur bonus disparaître. Ah ça c'est chaud ça. Les 600 points, ils sont pas faciles à les placer. On va tenter. J'aime pas regarder le malus pour le coup, mais go. Première couleur. Deuxième couleur. Bon, en gros, si je joue les cartes pick, je peux quand même faire des couleurs avec, mais je n'aurai pas par exemple, les 11 jetons de l'as là. Ils ne proqueront pas, mais peut-être que ça fait quand même les poids. Oui, certainement. Oui. Ok, on est bon. Et là, du coup, on voit que j'ai gagné les 30$. Hein. Parfait. Est-ce que ça pouvait être n'importe quelle couleur ou par rapport à mon deck? Je n'en sais rien. Parce que pique et cœur, moi ça m'arrange. Si ça tombe que sur pique ou sur cœur, chaque carte jouée avec une couleur de pique ou 3 fois un point sac ou multi, lorsqu'elle marque des points, la couleur change à la fin de la manche. Donc là c'est une carte éternelle, on le voit. Au petit logo. Logo de l'infini là. Le souci c'est que je peux pas la revendre après. Mais je vais tenter. Ça il faut que je les achète pour... Oh c'est terrible de commencer à acheter ça sur une run mise d'or, mais bon. En gros quand vous en avez acheté 10, vous débloquez un bonus pour après. En vrai je vais pas l'acheter ici, j'ai trop besoin de sauver ma thun pour faire le gros niveau de difficulté. Sur les autres runs je l'achète, mais là on va quand même tryhard. Ok, on a un joker, on a une carte ajoutée au deck. Je serais bien chaud de pick tout ça là. On est sûr du combien? On est sûr de 20$ si on achète tout ça. On est sur du 20$. On va commencer par ça. Un petit valet de pique. Boosté. Après ça, ça peut être n'importe quelle couleur. C'est bien avec ce qu'on a vu avant là. Le plus 4 est vraiment cool, mais par rapport au joker que j'ai, je dois peut-être prendre le 7 de cœur. Comme ça pique toujours l'effet. Vu que c'est une carte libre, elle compte pour n'importe quelle couleur. Pour ça. De toute façon, le but, moi, c'est d'atteindre la mise initiale 8 pour valider le dernier niveau de difficulté. Ouh, un aluminium ajoute le nombre de fois qu'une map poker a été jouée au multi. Franchement, on va spam couleur, c'est pas mal. Là, c'est 80 en couleur, mais là, ça veut dire que j'aurai 50 jetons, plus probablement genre 20 au multi. Va 30 au multi. Vraiment, j'ai fait 3 couleurs. Donc, pour moi, ça va plus 50, plus 3. Ah, les deux sont cool, hein. On a un bon start là, on va dans la run. Franchement, ça se discute. Je pique ça, mais l'autre était très bon aussi. Et on va quand même tenter ça du coup. J'espère que ça proquera pas trèfle ou carreau parce que j'en ai pas dans le deck. Mais il y a un monde où ça le fait quand même et ça peut être pénible quoi. Ce qui serait terrible, mais bon. Et du coup, je le prends pas parce qu'il faut quand même tryhard là. Octroie 1$ par main jouée dans cette partie. Si je passe la blade. Ah, il vaut mieux aller.
tenter la manche. Le truc, c'est que si je skip les blindes, j'ai pas accès au shop aussi. Hein. Les cartes jouées avant cette mise initiale voient leur bonus disparaître. Ok. Bon, on va juste jouer une couleur P qui one-shotera les points, hein, je pense. Ok, probablement c'est piqué cœur. Oh, si c'est chaque fois comme je pense, c'est insane comme start. 3$ pour 7$, c'est pas mal comme deal. On pourrait piquer un joker avant pour faire plus. On a le spectral. En vrai, le start est vraiment bien. Hein. Il faut que je fasse sign tout ça. Non, ce sera moins rentable. Vaut mieux commencer pas. Bah sinon, ça changerait. Ah oui, je suis con. Oui. Commençons par ça. Père, la première carte figure, 3 fois 2 multi. Les As, plus 20, plus 4. Hmm. 4, 7. Plus 20, plus 4. Il y a un monde où c'est ça. Hein. Parce qu'on va faire des couleurs et souvent il y aura des petites paires qui sont perdues dans le tas. Souvent peut-être pas, mais de temps en temps. Les 4 sont nuls, j'ai l'impression. Le x2 qui proc sur la carte au moment où elle s'applique, c'est peut-être pas si fou, je pense. Après, je peux la mettre à droite de ça. Genre la figure à droite, genre ça proc avant. Et ensuite la figure reproc sur les autres fois x5. Genre en gros si je mets 4 cœurs et puis une figure à la fin, ça va faire plus de proc. Parce que les x2 ça s'applique. Quand les x2 s'appliquent sur les cartes, ça s'applique avant tous les autres bonus ici. Je sais pas si c'est très clair mais. En gros il y a une première fois en manche où les cartes mettent des points. Et du coup ce truc là procra à ce moment là. Et ensuite les jokers reproc par au-dessus. Et lui, en fait, ça compte, le bonus compte sur les moments où les cartes proc. Alors que ça proc après. Mais c'est pas un multi après ça. Vas-y, je vais tenter ça. Du coup, on gagne un peu plus de thunes là-dessus. Ah, j'allais dire, j'aurais peut-être dû le faire l'autre sens si jamais j'avais ça. Et je l'ai eu. Créer une copie d'un joker aléatoire, détruisez tous les autres. Donc là, je peux faire une copie de ça, en espérant qu'il me troll pas, et virer les deux autres. Vu que les deux autres sont pas éternels, mais lui est éternel. Ou alors, je me dis que je laisse ça et que je vire ça. Parce que lui est quand même cool. Ah mais non, c'est détruit tous les autres. Oui, non, je suis obligé de virer deux, donc oui, j'ai pas le choix. Allez, go. Go le tenter. Et ça, c'était quoi? J'avoue que j'aime pas regarder l'autre, mais ça me plaît. Je sais pas si ça va proc chaque fois la même couleur, mais en vrai si ça proc que cœur et pique, je suis vraiment bien. Si ça troll par contre je suis moins bien. Dommage je peux pas l'acheter, ça je peux pas là. Ok. De toute façon one shot les poids, c'est pas très grave je pense, en vrai. En fait, j'aime bien sauver le set de cœur pour après. Mais est-ce que je fais les poids là? Je sais pas, vas-y, go balance comme ça. Si jamais il faut que je refasse une main, je pense que je fais les poids, mais au cas où. Non, on a fait beaucoup, hein. Ibi. Ok. En vrai, c'est broken si c'est tout le temps piqué. Peut-être je chatte, hein, mais si c'est tout le temps piqué cœur, c'est broken. Et on a ça. Les cartes jouées avec une couleur pique au 3 plus 4 multi lorsqu'elle marque des points. Après, c'est pas tout le temps que je joue pique. Hein. Je joue pique et cœur là. Donc, 1 sur 2. Après, plus 4 multi avec le foie derrière, c'est vraiment fort. C'est vraiment big. Par contre, c'est une carte infinie, mais bon. En vrai, j'ai une putain de run là. Excusez-moi de la vulgarité, mais putain de run. Oh, mais attendez, si j'ai Spectral et que j'ai ça, ça peut pas le détruire. D'ailleurs, j'aurais pu tenter de le laisser l'autre tout à l'heure parce qu'il pouvait pas le détruire celui-là en soi. Mais bon, c'est tellement broken d'avoir les deux. Si ça fait tout le temps piquer cœur.
Ok, on va tenter le spectral. Ok, créer une copie de Joker aléatoire. Ça peut pas le détruire. Ça ne peut pas. Ça pareil, je peux ajouter le faux à poids sec. Sans risquer de le détruire. Est-ce que c'est pas mieux même? Ça me laisse de la place pour d'autres jokers après. Et le faux à poids sec, par contre, il va proc sur tout après. Donc je pense que c'est mieux de prendre le faux à poids sec polychrome. C'est marrant ça, mais je pense que ça c'est juste mieux. Ne peut être vendu ni détruit. Bah c'est parfait. Bon, au final, c'est pas que négatif ce truc-là. J'étais en mode ça va forcément être que négatif, mais là. Let's go, du coup. Voilà, ça change rien en soi. Ah, mais j'en ai deux! Oh, magnifique! Attendez, parce que du coup, je peux copier le polychrome. Oh non, non, non. Oh, c'est quoi cette run? Oh, la déchatte. Oh là là. En vrai, ça fait. En vrai, je suis obligé de le pick, ça fait trop. Genre, je suis obligé. Il faut juste pas me taper une run avec un boss pick, mais avec les x.5. Ouais, mais les x.5 vont pas chaque fois proc sur le pick, j'avoue. Donc parfois, j'aurais joué cœur. Donc, ouais, en vrai. Une sur deux, potentiellement, ça me troll. Ah. Il vaut mieux que je prenne la banane pour le moment. Parce que ça va être du. Plus 4 x 5, ça va faire du 20. Et il est affini, il bloque en fait. S'il était pas affini, j'aurais pick, mais vu qu'il est affini, là, c'est terrible. Je vais prendre ça. Une chance sur 4 de se casser la gueule, la banane. Donc là, typiquement, l'order, par rapport à eux, ça n'a aucune importance vu que eux ils proc sur les cartes, le faux à poids 5. Lui, c'est le bonus qui proc après les cartes. Et il faut pas que je fasse ça parce que le faux à poids 5 du polychrome, qui pop là, il va proc après le plus 15 de la banane. Par contre, le plus 15 de la banane, si je le mets devant, ça change rien par rapport à eux parce que le faux à poids 5, c'est chaque fois que les cartes sont jouées. Donc. Je peux le faire par principe, mais ça sert à rien. On peut tenter une petite couleur là. Donc on voit là, les prix des packs là, ils commencent à monter là, parce que c'est dans les malus. Partie à faux, mise. Les paquets booster coûtent 1$ de plus par mise initiale. Donc c'est même chiant de l'acheter, surtout que je perds des intérêts. Mais bon, peut-être un des rares timings où je pourrais avoir une planète Jupiter. Donc on va la pick. Nice, on l'a eu. Important quand même de monter le niveau des planètes. Donc on est sur du pick. Si je fais une couleur de pick, je one shot large. De toute façon, je l'ai. Hein. Même avec les malus, ça passe. Ah non, merde, je crois que c'était un pick là, Full Laurier. Allez hop. Donc on va d'abord E proc. Ensuite. Ensuite la banane. Plus. Non mais le start est à descendre, je fais 100 000 sur la mise initiale 3, bien sûr que je vais le faire le truc, non c'est une dinguerie. Multi x 3 si toutes les cartes en masse ont été pique ou trèfle. Bah j'ai des cures donc ça marche pas. C'est très bien si je vais full pique trèfle mais là ça marche pas. Ah non, bah voilà, c'est ce que je craignais par contre. Ok, c'est la merde. Ça peut être carreau. Ok, c'est la merde. Ok, c'est la giga merde. Ok. Ah, c'était insane, sauf si ça pouvait tomber sur carreau. Ok. Bon, il faut chatter tout le temps que ça tombe sur cœur et pique, du coup. Après, j'ai quand même un x.5 plus la banane pour tempo. Mais ça va être chaud. Du coup, ce qui est important, c'est que contre les boss, je sois sur une bonne couleur. Donc, il faut que je skip ou autre en fonction de comment ça se met. On peut tenter un joker. 4 flush, plus 300 jetons, moins 2 à la taille de la main, non merci. Oh, c'est nul. Je prends ça parce que ça se revend plus cher, vu que c'est un peu commun, j'imagine. Il y a un joker à débloquer avec la taille de la main qui est super petite là. Je vois, ça le débloque sans devoir jouer ou si je dois jouer avec sa carte, parce que jouer avec sa carte avec ça va être chaud là. Ah c'est bon, bon d'achat débloqué. Parfait. On verra après ce que c'est. Après... Je peux attendre de voir la maille, au pire le vote, ça pue de fou, mais bon.
Perdre 1 dollar par carte jouée, ça on s'en fout comme malus. Le problème, c'est qu'eux sont sur le mauvais timing. Il faut absolument qu'ils soient. Que ce soit des bons procs. Hein, pour les niveaux de difficulté. Et après, je full skip quand c'est un bon proc. Vas-y, on va jouer avec ça. Ça va être chaud de faire une couleur là quand même. Mais bon. Ah. Peut-être je vais quand même le vendre. Sa carte, quand tu veux que je fasse des couleurs avec sa carte? Non, c'est trop chaud. Non, j'ai 6 cartes. Je crois que j'avais 6 cartes par contre. Mais bon. Trop la merde quand même. Ok. J'espère que j'arrive à marquer les poils là quand même. C'est quand même inquiétant. Oh non, j'avais 5 cartes. J'ai eu 5 cartes. Oui, non, c'était vraiment la merde. Bon, c'est quand même toujours la merde là, bon. J'ai banane plus polychrome, mais. Bon, ça. En vrai. C'est... En vrai, on est sur des niveaux encore assez faciles, heureusement. Mais. Si... En fait, quand j'ai pique ou cœur, je suis imbattable. Si je les ai pas, je suis finito. La banane, c'est cassé. Hein. Par contre, on est sur le pic, c'est parfait. On est monstrueux, là. La banane, une chance sur 4 de se détruire, elle s'est détruite. Ça m'intéresse pas trop. Planète, on peut le tenter. Donc là, on va skip le prochain pour aller au boss avec le bonus parfait là. Et est-ce qu'on pique ça? Vas-y, go le tenter. Jupiter. Raté. Mars. Ça sert à rien. Hein. À la limite, je prends Carry si tu veux, mais. Sweet. J'aime passer, tiens. Donc là, il faut pas que je le roll. Faut que je roll le moins possible, pas me faire troll pour aller gagner déjà ça. Ça va relancer l'étiquette, faut pas que ça tombe sur pic là, le malus, un potentiel malus. 5 cartes doivent être jouées, tranquille. Ça marche aussi comme couleur, ça, de toute façon. Ah, vraiment, quand j'ai le pic au cœur, c'est easy, mais... Le souci, c'est que je n'ai pas forcément pic au cœur. On est sur cœur, parfait. Plus un placement de cartes disponible dans le magasin. Le truc c'est que j'ai. En fait, je vois rush la mise initiale 8, je vois skip beaucoup, donc je vais pas faire trop de magasins pour assurer eux. Donc l'idée. Ça je pourrais le pick, mais ça sert à rien, je suis trop fort pour le moment. C'est juste d'avoir des bons jokers après avec les couleurs et de tenter peut-être des planètes ou quoi. Je suis pas sûr que ça vaut le coup vu que je vais skip beaucoup de magasins. Je pense que garder la thune est potentiellement meilleur, notamment si j'ai des négatifs quoi dans le magasin après, avec les étiquettes. Je tentais planète quand même, mais... Ah, c'est raté. C'est raté. Après, je suis pas forcément obligé de jouer couleur avec ça, je peux très bien jouer des foules ou des carrés ou quoi. Hein. Mais bon, couleur c'est tellement débile. Ça commence à coûter cher là, on va éviter de 3 pics de toute façon après. Double votre argent, bah parfait, ça va le pic. Octroi, un paquet bouffon, on va le pic. Et après, toutes les cartes cœur voient leur bonus disparaître. Fuck. Du coup, eux vont pas s'appliquer. Oh, c'est terrible. Il faut du coup que je fight limite pour changer que ça tombe sur pic. Ouais, mais le. 28$ là, je suis obligé de le prendre, non? Non, il faut que je tombe sur pic pour ça, en soi. Ah, je sais pas, hein. Oh, merde. Oh, chier. Ouais, il faut y faire bagarre.
T'as la proba de retomber sur pique, elle est pas free là. 1 sur 3 quoi. Ou 1 sur 4, ça peut être proc cœur en boucle, j'en sais rien, mais bon. Je pique, oh la chatte. Full house, ça m'arrange pas trop là. Après, je peux l'acheter et tenter le tarot. Ok. Ouais, je peux avoir le Z, etc. sur le tarot, vas-y. On va voir. Retire des cartes, carreau, la thune, nice. Bien l'oseille. Je peux le garder pour après, vu qu'après je vais récupérer deux jokers, ça fera plus d'oseille. Du coup, pour tenter planète, vu qu'on a beaucoup d'oseille. Allez hop. J'aime bien l'oseille. Donc là on passe pour garder pique contre ça. Donc le bonus ne change pas quand tu skip. Ça c'est pas mal. On a combien de couleurs? Bah après j'skip beaucoup donc je suis qu'à plus 10. Carré. Chaque carte jouée gagne de façon permanente plus 4 jetons en marquant des points. Multi plus 12 si la main jouée contient un brelan. Ouais, je vais prendre 2-2, mais c'est pas fou quoi. Ça c'est ok. Vite fait. Ça me permet d'augmenter un peu les jetons, mais vite fait quoi, parce qu'on risque de skip quand même pas mal. C'est vraiment pas fou. Mais brelan et carré, j'en fais pas trop non. Donc ça, avant ça surtout. Hein. Là. Au lieu de gagner 13, on gagne 18, c'est au petit. J'aime bien l'oseille. Et les 20 000, on les torche d'une force. Hein. Non, c'est vraiment trop débile là. Normalement, si je ne tombe pas sur bonne couleur, après je suis foutu. Non, vraiment, on s'en sort. Ouais, on est qu'à la moitié là. Ça va être chaud. Cœur, la chatte. Ok, on skip et on va jusqu'au boss. Sauf si ça me troll. Ok, j'aime bien l'oseille. Oh, j'ai pas mal d'oseille. Donc vas-y, go tenter. On chatte, parfait. Le 20 dollars ou le plus 30. J'aime bien l'oseille. Plus 40 jetons, ça m'a coûté une couleur. Infini, mais bon, c'est fine. Pour ce qu'on fait, je pense qu'on peut se le permettre. Non. Lui, il pourra dégager si je trouve mieux. Avoir des jetons, c'est bien parce qu'il faut que les deux scores, il faut que le score bleu soit aussi assez haut parce que le rouge, il monte très très haut avec ça. Mais bon, là, de toute façon, je fais des scores qui sont indécents pour la mise. En fait, tant que j'arrive à avoir les bonnes couleurs là-dessus, c'est free, je pense, la run. Vu la thune que j'ai, je peux prendre l'emplacement disponible dans le magasin en plus, je pense. Je commence vraiment à avoir beaucoup d'argent, donc je peux se le permettre. Ok. Donc là, il faut passer. Là, il faut passer. Et les cartes sont tirées face cachée après chaque main. Osef, de toute façon, on va one shot. Faut juste pas jouer de manche pour pas qu'il me troll. Déclenche à nouveau cette carte une fois. Ça permet de proc plusieurs fois le E. Donc, c'est vraiment big. On prend quand même le 10 de cœur aussi. J'aime bien l'oseille.
Allez, host. Ah non, merde, c'est cœur. Bah oui, host, oui, host, vous dégagez. Allez, faut chatter à couleur. Vraiment, aussitôt faire des points comme ça descend. C'est toujours cœur là? Ok, on a la bonne couleur, on a la bonne couleur le chat. Plus 10 au multi, ajoute x2 au multi, mais retire 0 par carte défaussée. Bah, en vrai, vu que je skip full combat, c'est pas mal à pique, hein. Genre, à la place de ça, c'est bien meilleur. Vu que j'ai x poids sa classe, ça peut proc avant, c'est mieux. Toutes les couleurs et les 4 peuvent être effectuées avec 4 cartes, oui, mais c'est pas si nécessaire. Il y a plus 10 au multi et le x2. Alors oui, on va. La carte va se réduire, mais. Ouais. Faut que je défausse 50 cartes pour passer à x1,5. Peut-être sur la fâche je le virerai, mais pour le moment c'est fine. Ça peut peut-être m'aider justement si j'ai pas les autres qui proc. Vas-y. Même que je fasse ça parce qu'il y a plus 10, plus 1 fois 2, alors que lui c'est le fois 1,5 d'après qui m'intéresse. Donc ouais. Alors en vrai j'ai limite envie de l'acheter sur une run hard pour avancer quand même parce que c'est chiant. Ah, c'est trop greed là, il faut jouer safe quand même. Faut jouer safe, j'ai besoin de sauver ma thune. Là c'est le tryhard. J'ai quand même tenté E2. C'est cher mais bon. Ah, pas de Jupiter malheureusement. En même temps j'en ai touché quand même pas mal. Hein. Carte acier. Allez. Je garde la thune parce qu'en skippant. Attendez, j'en suis où là? Ouais, c'est sur un nouveau niveau donc potentiellement skip peut être intéressant quand même. Pour garder de l'argent. Parce que je sais pas encore quelles vont être les étiquettes. Les étiquettes, c'est ça. Nouveau lancer de boss, toutes les cartes figures sont tirées face cachée. Je suis obligé de le relancer. Ça m'arrange pas parce que le malus c'est pas gênant mais. Il faut que je. Faut vraiment que je fasse le moins de combats possible pour que ça troll le moins possible. Toutes les cartes trèfle voient leur bonus disparaître, ça me va. Ça, bah, on va prendre quand même. Hein. Et au moins, ça troll pas. Ok, cœur. One-shotted. Bam! Pique, let's go! La chatte! Plusieurs la taille de la masse, c'est très bon pour toucher nos couleurs plus facilement si besoin, surtout s'il y a des malus ou quoi. Toutes les cartes planètes et les paquets célestes dans le magasin sont gratuits. Mais j'ai pas la place, frérot. Il y a que lui que je peux virer encore. Je n'ai pas la place. De toute façon, il y a que lui qui peut bouger. Non mais. Attends, c'est quoi l'autre? Blade. Ah mais je suis déjà sur le niveau suivant, c'est vrai que ça va tellement vite en passant. Marrant. Spectral. Je peux avoir la polychrome et risquer de perdre ça, mais si j'ai un polychrome sur Otsola, c'est quand même fine, hein. Si je copie E, c'est un peu overkill par contre. J'avoue que c'est souvent peut-être un peu overkill ça. Faut que je pense au scénario où j'ai pas les couleurs qu'il me faut. Et dans ce cas-là, il faut que je augmente les planètes et tout. Vas-y. C'est cher, hein, mais bon. Ah, j'ai les rolls qui sont pas chers là par contre. Faut que je fasse mes rolls. Voilà, roue, on va tenter. Raté.
Convertir en pique, on s'en fout un peu, je pense. Même si on est sur du pique, on devrait pouvoir trouver nos piques, hein. Je suis pas trop inquiet. Non, non, non. Non. Ok, on go à la suite. Le mana passé d'un joker aluminium. Toutes les cartes figures voient leur bonus disparaître. On s'en fout du moment qu'on a nos picks. Ok, on passe, on passe. Passe, passe. Et la bagarre. Pas trop défausse pour lui, mais bon, en même temps, il faut que j'assure de toucher ma couleur. Yep. Attention que si je fais genre une 4 flush, je marque peut-être moins de poids que la couleur là. 95 x 12, 140 x 11. Ah, je sais pas, avec eux, ça va être quasiment even. Millions. On a du cœur, let's go. C'est gagné. Sauf si le malus c'est cœur après. On verra. La roue. La roue, messieurs dames. Raté. Faut que je change, parce que dans tous les cas, je vais full ski puis aller battre le boss si ça me troll pas. Une carte acier qu'on peut garder en main, c'est fine. Ah, c'est bien quand t'as un joker négatif ou quoi dans le shop. Du coup, tu peux faire un double joker négatif ou autre. Avec des étiquettes. Des trucs comme ça. Enfin, dans le shop, dans les étiquettes. Ah, autant claquer de la thune. De toute façon, ça me sert plus à rien si j'ai pas de conneries après. Ouh. Après, il y a peut-être un monde où j'ai pas le bon truc et il faut que je repasse par un shop. Ouais, j'avoue. Ok. Il y a un monde où je prends ça pour faire 3 carreaux avec eux. Hein. Genre si ça me troll, qu'il faut que je change de couleur ou quoi. Juste au cas où. Limite, si je joue avec 2 comme ça, je peux faire double carreau. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que imaginez que là, le boss c'est cœur, que je swap et qu'après ça me fait le carreau. Si j'ai 2 fois ça, on peut le faire quand même. Transformer les cartes en carreau et faire ce qu'on me demande. Ça, le but de run, c'est juste de finir le niveau 8. Difficulté. Très grosse blade, 1 million 8, bah c'est bon, on a juste à skip et c'est gagné. Si je dis pas de conneries. Grosse blade, ils ont dit. Grosse blade, ils ont dit. Mais lol. C'était la run de la chatte. Hein. C'était la run de la chatte, full chatte. Alors évidemment, on va pas aller dans le mode interminable parce que bah on va vite se faire troll par ça. Genre ma stratégie est puante au final parce que je savais pas si ça pouvait mettre des autres couleurs que j'avais pas et c'est le cas. Mais on a du coup fini le dernier niveau de difficulté. Let's go. On l'a bien torché, mais on a bien chaté surtout. Alors ça, c'est un truc que j'ai débloqué, réduit la taille de la main jusqu'à 5. Vous pouvez tenir plus une carte dans votre main, plus 1 à la taille de la main. Bon découvert. Non découvert. Mais ça va bon. En gros, il y a des trucs que vous devez débloquer. Et, notamment les paquets, vous pouvez débloquer, c'est écrit dessus. Comment vous pouvez débloquer, c'est pareil pour les jokers, etc.
et pour des bons d'achat. Donc c'est ça que j'ai débloqué. Non, je sais plus où il est celui que j'ai débloqué. Par exemple, celui-là pour débloquer, il faut échanger ce bon d'achat. Non, bon là, c'est pas clair. Là, utiliser à blanc 10 fois au total. Donc là, j'ai utilisé 4 fois. Donc c'est l'effet qui fait rien là que je voulais pas acheter à la base. Quand j'en aurai acheté encore 6, bah, ça débloquera un autre truc là. Et du coup, sur les runs suivantes, quand je pourrai débloquer, bah, il faudra que j'achète une première fois ça qui ne fait rien. Et la deuxième fois, quand j'achèterai, bah, ça aura un bon effet, mais je sais plus. On m'a dit que c'était fort. J'ai oublié ce que ça fait. Mais d'abord, sur des différentes games, il faut que j'achète 10 fois. Et c'est lequel que j'ai débloqué? Moi, je sais même plus. Je ne le reconnais pas. I don't know. Mais ouais, dans les Jokers, c'est pareil. Par exemple, là, il faut posséder 400$ ou plus pour débloquer ce Joker-là. Il y en a qui sont bien, il y en a qui sont moins bien. Donc peut-être qu'il y a même des Jokers, c'est intéressant de pas les débloquer. Comme ça, tu les as pas dans tes games, peut-être. Je sais pas. Mais bon, pour le challenge, c'est quand même cool de les débloquer. Hein. Je vais une main contenant 4 trèfles de 7. Très précis. Voilà. Bon bah sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.